en portugais. Alors, euh, hola, bon dia bon dia Ah, un t supplémentaire Elle parle portugais Fala-je portugais Un pouco ah, Un bocadinho, mais je ben. Portugais du Norte, Tras-Montes et Minho. Ai, Quem je-sus, sou eu? Maria C'est vrai, je vais bientôt faire une vidéo, mais j'ai vu, vu un article qui présentait les différents portugais au Portugal, il y en a une dizaine. Euh... Le, celui du Nord en fait partie. Oui, claro. bien sûr. Par exemple, en Tras-Montes, nous disons « Porta. porte <laughs> !» Vous avez un deuxième indice, elle est portugaise et elle est du nord. Kassem Buhun, hola bonjour. Gracine Dabranco, hola bon dia. Manuela Guimarães, hola. Luc Alaer, j'espère que je prononce bien. Hola. Sarah Prisha Rodrigues, hola Bondia. Marcia Arteiro Martin, j'allais à Braga. C'était notre gagnante, elle a reçu son, elle a reçu son sac français, Mague. Hola, tout de bien. Bon, bah c'est bien, alors dites-moi, on a vu, il y a des gens du Portugal, il y a des gens d'où Parce qu'aujourd'hui, on va parler aussi de plein de choses qui vont se passer dans le monde entier. Ah oui, 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 on parle de beaucoup de choses très, très intéressantes et des petits secrets en plus de famille, euh, des petits rituels, des petits tours de magie. On va <laughs> découvrir que mon invité bah, va nous emmener à travers toute la France, mais aussi toute l'Europe, mais aussi. Allez Quoi Le monde entier. Mais le monde entier, bah oui, mais c'est toi qui nous amène au monde entier. Avec ouais, le... mais c'est avec Moi aussi, aussi. Euh, toi. Oh, bah c'est universel, on va dire, c'est ça mais que oui. dire. Mais oui, Alors, est-ce que quelqu'un a deviné avec qui je suis Belgique, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui. oui, on Belgique. va en parler de la Belgique. Je vais y a bientôt, là. Lundi, je serai en Belgique, si vous voulez venir me voir. Je vous tu y seras y où Je serai au Palace, au cinéma Le Palace, à Bruxelles, le 24. Donc... Troisième indice. À 19h. <laughs> Portugaise, franco-portugaise Franco-portugaise, oui. Donc, du nord, euh, de Portugal. Du nord, de, exactement. Et tu aimes bien le cinéma Et j'aime le cinéma et le théâtre, mais beaucoup le cinéma. Donc vous avez peut-être entendu parler de moi déjà. Il y a un derrière nous. Hein. De plus. <laughs> Pour ceux qui suivent l'émission régulièrement, le décor a changé. Regardez bien, je pose mon scotch. Attends, est-ce que tu peux tenir le micro Parce oui. qu'en fait, je me suis collé. Donc ben voilà, tu peux parler aussi. Hein. Bah oui. Bah alors on est combien là 59. 59, wow, 59. Salut déjà, José, marie Lise. Je... Nantes, tu seras ah, à Nantes non. Nantes, oui, bah le, le film est à Nantes. Ah, hey, voilà. Ça il est. il est à Nantes le film, il faut aller le voir depuis. Elle une est réalisatrice, <laughs> Christelle Alves j'ai le plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce nouvel épisode du Frantugais Mag. Christelle, vous en avez certainement entendu en parler parce que depuis la semaine dernière, il est sorti dans toutes les salles en France, dans toute la France. Alme vive, le premier long métrage que tu as réalisé, écrit et réalisé. Ah oui, je l'ai écrit et réalisé, et c'est presque dix ans de ma vie. Ce film, c'est vraiment comme faire un premier bébé, même si j'ai déjà des enfants, parce que d'ailleurs cette petite fille là, qui est ah. Qui sait ah, Qui sait Mais on va le savoir. Les gens aussi, on va voir. Euh, non, aujourd'hui, elle ne va pas chanter. Parce que la semaine dernière, elle ch il chantait. Et ouais, la semaine d'avant, elle chantait aussi. Non, aujourd'hui, tu ne vas pas chanter. Tu chantes Non, par contre, dans le film, la petite fille chante très, très bien. Et il y a un autre aussi qui chante très bien. Il y a beaucoup de musique dans le film. Consortine ouais. Euh, où il y a des cornemuses, des tambours, euh, des harmonicas, plein d'instruments et il euh, y a des musiques que vous connaissez aussi. Euh, Peut-être on pourrait la faire deviner au « Retrato Sagrado ». Qui c'est qui a chanté ça oh. Attends. Et c'est la dernière musique du film au « Retrato Sagrado ». Attends, moi là, j'ai un doute. Bon, moi j'ai une tablette, les gens ouais, ne voient pas. Tu me ou es retrat, ou es lindo. Mais, teu retrato tão lindo, que está sorrindo, noite et dia para mim. Alors, vous connaissez ça Eh mais regarde, à chaque fois, ça va <laughs> le défi du game. <laughs> Tout le monde, tous les invités, sauf moi bien entendu, <laughs> devront chanter, qu'ils chantent ou pas dans la vie. Euh, donc voilà, bah, on a déjà plein d'informations, c'est un film que tu as du coup réalisé au Portugal. Oui, je l'ai réalisé au Portugal, dans le village de ma mère et de ma grand-mère maternelle, donc un village où je vais depuis que je suis née plusieurs fois par an, surtout l'été, comme beaucoup de Portugais immigrés, parce que moi je suis née en France de parents portugais. Alex avait deviné, je l'avais dit, Christelle chante. Moi je ne le savais pas, comme quoi, <laughs> mais comme quoi, si on insiste un petit peu, des fois, on découvre plein de choses. Alors, on va parler de ce film avec Christelle. Euh, moi j'ai eu la chance de le voir. Il y a en avant-première, c'était à la Fémis, euh, une des plus grandes écoles de cinéma de France, qui est installée à Paris. Euh, c'était il y a un mois, un mois et demi. On avait discuté un peu après. Et du coup, bah voilà, le film est sorti il y a une semaine. On va parler du film, on va parler de la réalisation de ce film, on va aussi parler de ton parcours, de ton lien avec le Portugal, qui, bah, du coup, on le devine assez fort puisque tu fais un long métrage sur ton village, sur ta région, Trajoujmonts. Et aussi, il faut parler de région de mon père. Oui, mais je disais, moi je trage-monte, j'ai Et tu vois, mais voilà, ça c'est dans les couples portugais, il faut toujours qu'il n'y ait pas de dispute, on va parler des deux. Parce que moi avec ma mère, je parle aussi de temps en temps du Certes un peu moins, mais quand même j'en parle. Parce que tous les oncles de mon père, ils disent, pourquoi tu as fait un film à tragement chez nous alors Bon, ok. Deuxième film. surtout que je voulais faire un film au Portugal, ce film il parle à tous les Portugais. Je confirme. Avec, avec, pour ceux qui connaissent les villages du Nord, avec, vous savez, toutes ces petites montagnes. Enfin, en, en fait, pourquoi aussi moi j'ai été touché par le film Comme vous le savez, mon père est du Nord aussi, de Braganza. Et moi, quand je dis à tout le monde que j'habite à Braganza, j'habite pas à Braganza, j'habite à Paramio. Et Paramio, à vol d'oiseau de Braganza, c'est un quart d'heure. Même si on se met sur la terrasse de la maison, on voit Braganza, on voit les tours du château. Mais pour y aller, tout ça. Et moi, quand j'ai vu le film, euh, très vite, on voit les décors, les paysages. Et euh, mes longues dernières vacances au Portugal, on en parlait avec Christelle, c'était comme ma fille aînée. Les premières vacances, on y tenait, on souhaitait à ce que ce soit avec ma chérie au Portugal. Trás-os-Montes. Et du coup, j'ai pas repassé cinq semaines comme ça. Et les cinq semaines qu'on avait passées, on a fait plein de balades, plein de rando. Monter, descendre, aller sous les arbres, les endroits où la petite fille allait aussi, la petite rivière pour pêcher. Et bah moi, le film. Du coup, m'a beaucoup touché par l'histoire, mais déjà aussi beaucoup par les paysages. Euh, moi, j'adore Trashmont, j'adore aussi l'Algarve, mais je trouve que trajemont c'est resté encore une région sauvage et où il y a encore plein d'authenticité. Quand on y va, moi, je, il n'y a pas beaucoup d'endroits ailleurs où je suis en. Ah bah c'est sûr que c'est tranquille. En plus, c'est une région qu'on connaît pas beaucoup, il n'y a pas de non. tourisme. Bah, as la veut... jugement de ça veut dire derrière les monts. Donc, déjà, on se dit oulala, là-bas, c'est la fin du monde. Mais en fait, c'est un endroit magnifique avec euh, beaucoup de fêtes aussi, parce que c'est des montagnards, euh, et ils ont un... des sanguins, ils ont du caractère. Alors c'est vrai que les premières fois qu'on rentre dans Les, les cafés... femmes aussi. Oui, les femmes aussi, d'ailleurs. Dans <laughs> mon film, vous verrez les femmes, elles rigolent pas. Elles sont un peu cette, euh, cette vitalité que vous avez dans les films d'Almodovar, s'il y a des spécialistes de cinéma et qui aiment le cinéma espagnol. Elles sont euh, voilà, euh, très caractérielles, elles parlent fort. Euh... Euh, comme qui des ne parle hommes. pas fort au ah, Moi, je les adore. Moi, je, je, je trouve que pourquoi les portes femmes, des cafés euh... sont toujours ouvertes bah, C'est surtout pourquoi il faudrait qu'on se taise et pourquoi il faudrait qu'on qu soit toujours euh, voilà, comme, euh, dans la norme, euh, qu'on se tienne bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup les gens qui sont dans la marge excentrique et qui, nous, voilà, qui osent aussi être euh, autrement que ce que la société voudrait qu'ils soient. Et donc, là, vous verrez dans le film, c'est vraiment des personnages très hauts en couleur parce que le film. C'est aussi une comédie. En plus d'être un drame familial, aussi. je ne veux pas tout révéler. Et fantastique. Et fantastique, ouais. Parce que justement, c'est mon C'est pour ça que je t'avais posé la question tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on le classe comme film d'auteur Je vais te poser la question parce qu'il euh, y a déjà plein de gens qui ont été voir le film. Ah, trop bien N'hésitez pas à nous dire. Il y, y a plein de super beaux retours. Il y a des, plein de gens qui t'ont reconnu et qui ont vu le film et qui ont adoré. Dans les commentaires, Génial. on voit. Euh, ce film, c'est vrai. Il y a de la comédie. Oui. Euh, il y a du fantastique. Oui, il y a du fantastique parce que Et tu moi, parlais de ces montagnes. Mais ces montagnes je, je, je là, quand pas. tu vas la nuit dans ton village, quand tu sors, tu vois les grands ciels étoilés, il y a pas beaucoup de lumière, n'a pas je pense des de des a muitos. Et il y a un... à lumière publique. Parlava à la nuit, se que alors, nous ne voulons pas à ça. Maintenant, avec les problèmes écologiques, oui, mais, mais quand nous sommes dans les rue, dans ces ruelles à la nuit, il que peut surgir un loup garou ou un esprit de derrière Moi, les mais rues. Combien de fois mais gens m'ont raconté qu'ils ont vu, et qu'ils l'ont vu. Ce n'est pas qu'ils ont raconté, ils ont vu un loup qui faisait au moins de 3 trois mètres. Ah ben voilà, mais il y a plein de légendes, plein d'histoires qu'on nous raconte. Vu ça à part dans les films. Bah, moi, en tout cas, j'ai grandi avec toutes ces histoires dans ma tête. J'adorais me glisser sous la table comme Salomé pour écouter les histoires des grands. Et il y avait tout le temps, soit des histoires de broucheries, je crois des histoires de de, 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 de contes bizarres que nous racontait justement un loup, je ne sais pas quoi. Ma mère, vous savez ce qu'elle me disait Elle me disait que son sa maîtresse avait été mangée par un loup. Elle y croyait Mais elle y croit encore. Je l'ai encore redire récemment, mais maman, les loups, ils mangent pas les humains. T'es sûr qu'elle mange sa maîtresse <laughs> <laughs> en fait, le nom, on a plein de gens aussi sur YouTube. Euh, on, on lit les commentaires au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, le film. Alors, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui est de Bombaral. Ouais, bon dia. Seil. Hola, Bombaral. Il y a plein de gens du Portugal aussi. Hola, Portugal. Euh, le, le film, euh, il est né il y a combien de temps dans ton imaginaire Est-ce que du coup, c'est un film qui vient euh, du coup, je, je voulais pas commencer l'émission par ça, mais comme on parle du film, est, euh, <laughs> il est né quand tu étais petite, finalement, quelque part, inconsciemment. Bah, ou... Non, je ne peux pas Parce dire que, ça. Parce que du coup, c'est des histoires qu'on te raconte oui. depuis petite. Et euh, je prends juste un exemple. Moi, aujourd'hui, je raconte des choses, des fois, dans les spectacles, mais c'est des petites choses, c'est des petites brides qui viennent de l'enfance. Bah, c'est sûr que j'ai été chercher des vieilles mémoires. Et d'ailleurs, le film, il rend hommage à l'enfance. Il y a plein de gens qui me disent, quand, je so quand, quand ils sont sortis de la salle, « Ah, tu m'as replongé dans mon enfance !» Parce que c'est une petite fille, le personnage principal, et on est vraiment avec elle voilà, dans ses vacances d'été au Portugal. Donc moi, pour écrire ce personnage de la petite fille et sa relation au Portugal, bah, oui, je me suis rappelée de plein de choses de mon enfance. Mais, euh, mais le point de départ, vraiment, c'était il y a dix ans, la première idée de ce film. J'étais enceinte, justement, de, de ma propre fille. Et ma grand-mère venait de mourir. Et j'étais vraiment, c'est une grand-mère que j'adorais. Et j'ai vu ma famille se disputer pour des histoires d'argent. Oh là là, c'est pas très original, hein? Oui, <laughs> c'est vraiment mais un grand classique. En même temps, Mais ça m'a vraiment touchée. Et Portugal, ça m'a mougé, c'est un problème. Et les, les partilhas, dans le nord du Portugal, pour avoir. Euh, moi, je, moi, comme j'ai encore mangé chez mes parents ce week-end, je peux rien dire. Mais... <laughs> bon, moi, je vous mais dis, les partir, de... ça n'allait pas du monde. tout, ça n'allait pas du tout, du tout. Ils sont tous mis en colère. Non, et moi, j'étais une adulte, je n'étais pas une enfant. Mais vraiment, je me suis dit comment ils peuvent arriver à se disputer comme ça pour 2000 euros Parce que le problème, c'était la pierre tombale. Qui va payer la pierre Ils n'ont pas se mettre d'accord pour qui va payer la pierre. Et donc, ma grand-mère, elle est restée deux ans sans, sans sépulture. Et ça, ça, je me suis dit, là, je dois comprendre quelque chose de ma propre famille, mais aussi de l'histoire des Portugais. Parce que ces familles des, qui, sont, qui se sont divisées entre ceux qui partent en France, qui reviennent avec un pouvoir économique, qui construisent des grosses maisons, qui roulent en grosses voitures, c'est mes parents, hein, c'est moi, moi je suis né de l'immigration. Mais je vois bien que ça crée quand même des petits chocs, des chocs gentils dans les familles, des chocs tendres, mais ça crée des petits chocs. Et donc, je voulais raconter un peu ça, mais toujours avec de l'humour. <laughs> Vous verrez. c'est ça aussi le Parce film traite de Trajmonj et voilà. de l'immigration. En général. L'histoire oui. traite aussi du finalement de, bah, comme tu le dis, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis. Et dans les familles de Tragemontch, il y a eu ce dilemme. Moi, par exemple, mon, mon père, ils étaient sept frères et sœurs. Le trois quarts sont partis hein, un peu partout. L'autre partie est restée. Et il y a quand même aussi voilà, ces différences qui sont restées entre ceux qui sont restés au pays, et une autre vision pour ceux qui sont restés, et qui sont partis. Mais tu sais, c'est pas qu'à monte nos mines c'est pareil. Euh, dans tout le Portugal, en Corse, en Italie, en Serbie. Moi, je vous dis, j'ai eu plein de spectateurs qui ont vu le film. Tous les pays en fait où il y a des familles qui vont immigrer, enfin ça crée des, en fait des écarts dans, la, dans les familles. Il y en a qui doivent rester auprès des parents. D'ailleurs au Portugal c'est vraiment culturel. Il y a toujours un enfant qui reste. Hein. Ouais. Euh, même du côté de mon père, mine où j'avais, j'ai au dit elle est toujours restée. Le, voilà. le Et donc bah celui-là il sacrifie un peu quelque chose, même si après bah, il a des atouts, il garde la maison, etc. Bon, mais quand même, euh, je sais pas toi, par exemple moi quand je retournais au Portugal. D'accord, j'avais grandi en France, à l'école toute l'année. J'arrivais avec mes baskets, mon Walkman, parce que je suis né dans les années 80. Donc euh, le Walkman. Es dans quelles années 83. <laughs> attends, alors attends. Avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui nous regardent et qui se posent la question, c'est quoi un Walkman <laughs> Tu prends ton téléphone portable. Enfin, c'est pas un téléphone portable. Tu prends ton smartphone. Tu en empiles trois. Tu prends tes écouteurs euh, Bluetooth, tu, tu leur mets une barrette, voilà, avec un tu fais de... comme moi pour le micro, tu mets un câble qui part de chaque côté, tu les attaches comme moi avec un scotch, voilà. tu le branches avec une prise jack 3,5 et t'as un Walkman. Et là, écoutes euh, Bénébi. <laughs> Bénébi. Alors bon, alors pour tous ceux qui nous écoutent, qui est Bénébi Bénébi c'est le plus premier grand chanteur de rap franco-belge. Ah oui, il ah oui, il était belge, ouais, j'avais oublié. Bah, moi, j'ai écouté Benebi, euh, j'ai écouté, euh, je sais pas, Patrick Bruel. Euh... Non, mais bon, tout Patrick, ça. Patrick, si dire... tu nous entends, lui, il est toujours <rire> vivant. <rire> Attends, Benebi aussi, Benebi aussi, <laughs> mais il a disparu de la circulation. Non, Pedro hein, la j'adore. Ah, Pedro. Oh, Pedro, voilà. Pedro la Brugnose, à l'époque, c'était Pedro la Brugnose et Os Bandemonios. Ah oui, exactement. Voilà. Bon, mais on donc est on place. arrivait au Portugal et nous on était les Français et donc les, les Portugais de notre âge à la rivière, bah, ils nous regardaient un peu au début, on s'appréhendait un peu, genre on ne savait pas. On avait toujours l'impression que nous on se la pétait à côté d'eux quoi. Et il fallait un petit temps avant de dire mais non, alors déjà il fallait parler portugais pour s'intégrer, revenir et, euh, et okay après. Ok bon. Hein Ok bon. Bah oui, ok bon. Et bon, finalement j'ai quand même eu des petits amoureux portugais et tout, mais oh. il y avait toujours ce décalage. <laughs> Ou je me ne non, je sens ouvrir une autre Ouais, je vais pas tout raconter. Moi, il faut venir voir le spectacle. Non, bah, mais attends, il y avait quand même un La rivière, décalage. les On fêtes les de village, qui n'a pas eu d'amoureux Bah oui, heureusement. C'est ça aussi le Portugal, bah, c'est sûr. Bah oui. Mais, mais bon, voilà, ce petit décalage, ou bien, moi, je me souviens de mon, mon neveu, là. Donc, mon neveu, il a 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est la nouvelle génération. Vous savez ce qu'il fait, mon neveu, quand il va au village Il s'amusait à lancer des pétards chez les vieux. Ha ha ha! Bon, <laughs> ah non mais chacun ses activités. Pour te dire. Et alors après les vieux ils disaient oh canaille oh, ça oh oh <laughs> Je me disais mais qui allait dire le premier gros mot Christelle ou moi parce que est tous les du Nord et ben voilà tu as remporté la palme. Elle a déjà dit tout à l'heure dans l'escalier elle a un peu trébuché voilà. mais c'est retenu. Je dis beaucoup je dis beaucoup ça et d'ailleurs dans le film aussi les femmes le disent ben, moi je, je en plus je viens de banlieue en plus je viens de Tragemont. moi je trouve que les femmes un peu Comment dire Pourquoi il faudrait qu'on... Les hommes, ils ont le droit de dire des... Que là, je pas nous, ben non. Moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande à Cassio foncé on répond tout de suite à sa question, au nom du film. Et, olha, c'est écrit ici, Alma Vive. Alma Vive, justement, d'où vient le titre ça veut dire l'âme vivante et c'est en fait la grand-mère qui, qui va mourir. C'est une relation d'une petite fille avec sa grand-mère et sa grand-mère va mourir et en fait l'âme de cette grand-mère va rester dans le village parce que en fait cette grand-mère elle était un peu sorcière. Alors du coup je peux poser une question Est-ce que tu y crois Alors moi avant, avant de répondre, moi c'est pareil ces trucs là, ces histoires là de brûlures j'ai tout ça. Euh, attention on ne va pas par là, non on ne va pas dans cette maison dis pas bonjour à ces gens. Je leur parle pas. Moi, pendant toute l'enfance la... jusqu'à ce que je comprenne un peu tout ça, parce qu'on me disait aussi déjà toutes ces choses-là quand j'étais petit. Donc quand as 6, 7 ans et tes gens proches qui disent, parle jamais à ces personnes. C'est chaud, non ben oui, mais ben moi, c'est comme ça aussi que j'ai grandi, avec plein d'histoires, avec des méfiances. On me dit, il faut pas regarder telle dame. Et donc, on, on me disait, pour, pour te protéger, tu dois faire un c'est ça À quai Un fige oh Regardez, c'est comme ça. Qui connaît un Voilà. Et en fait, c'était soi-disant pour chasser euh, le, le mauvais œil et tout ça. Et, et donc... Euh, eh ben, je ne sais pas si on y croit ou pas. En fait, c'est tout le mystère est là de, de ces croyances. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous fait vivre dans un monde où il y a le réel, l'irréel, le visible, l'invisible. Et, et ce film, avec Arme Vive, j'ai essayé de rentrer euh, voilà, dans, dans la dynamique, dans les histoires de villages que ça crée. Euh, ces histoires de, de « on se jette un sort »,« on se déteste », des guerres de, entre voisins, parce que souvent, ça se passe d'une génération à l'autre. Hein. Là, dans mon film, la Salomé, elle ne va plus parler du coup au petit-fils de l'ennemi de sa grand-mère. Donc souvent, la, la nouvelle génération poursuit un peu les guerres entre, entre voisins. Euh, mais ça n'est pas que portugais. Là encore, je redis, le film, ça fait un an qu'il qu tourne dans le monde entier. Il a commencé au Festival de Cannes, il a fait plein de choses. Bon, on va vous raconter après. Il, a, il y a plein de gens du monde entier qui l'ont vu et tous me disent « Ah, mais moi aussi !» Donc par exemple, ça affiche, j'ai appris grâce aux spectateurs qu'il y avait en Russie, au Japon, ils utilisent ça. Euh, les brésiliens c'est un truc de l'esclavage. Tu as fait une recherche sur d'où ça vient Eh ben je le sais premier. pas d'où ça vient mais c'est Allez, je lance je le défi, assure, je réaliserai une chronique de JC, <laughs> je vais partir à la recherche d'affiche gars <laughs> d'où vient. Il y a ouais. euh, je crois que ah, plus euh, je sais plus le nom, il y a quelqu'un qui a réagi qui a dit c'est ce que je dis toujours à maman. Maman, il n'y a pas de fantôme dans la maison, arrête. <laughs> On n'est pas les seuls, on est des centaines. Et vous êtes déjà 90 en direct. N'hésitez pas à partager l'émission sur votre compte, à l'envoyer aussi à vos amis pour combattre le record. Allez, le record c'est 150, 150 en direct. Le record de vues c'est 18 000 vues. Allez, on va en parler un maximum parce que ce film est en ce moment en salle. Chaque année, quand il y a un film por de portugais ou l'Ouzo Descendant qui sort dans une salle, c'est génial. Donc, faut le soutenir. Euh, et puis bah voilà, vraiment, il va vous raconter plein de choses. Je suis persuadée. Vous êtes déjà en train de, ré de réagir. Ça vous ça vous rappelle plein de choses. Vous allez, je pense, faire un vrai plongeon, un vrai voyage au Portugal en allant le voir. Euh, il est sorti la semaine dernière. En fait, ça fait une semaine qu'il est sorti en France parce qu'avant il était déjà sorti au Portugal et tout ça, mais en France il est en salle depuis une semaine. Il est encore en salle. Dans 50 salles en France. Donc, il y a plein d'endroits où vous pouvez le voir à Paris, euh, en banlieue parisienne et ailleurs. Et il va sortir là, euh, la semaine prochaine en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. Donc, euh, tout bientôt, je vous donnerai après les dates où vous pouvez aller voir aussi sur ma page euh, Christelle Alvesmeyre. Christelle Alvesmeyra avec l'accent français. <laughs> De toute façon, je ne voilà. l'ai pas encore fait, mais On après, à la fin, voilà. je vais. De faire toutes les identifications, vous serez renvoyé directement aussi sur la page de Christelle avec toutes les infos sur le film. Et tu disais des films de l'uso descendant, en fait, il y en a pas beaucoup. On a eu la Cage Dorée. On a eu la Cage Dorée. Ben, il a ouvert la voie, c'est formidable. Il y a eu aussi Menina. Menina de Cristina Pignero, qui est une très bonne amie, aussi. très beau aussi. Euh, film d'époque qui revient euh, sur laisser euh, dans les années 60 euh, Monina quand... ça se passe dans les années 60 années 80, 70, 70 ouais, voilà, avec euh, l'arrivée de la famille l'histoire voilà, du père une, une Mais super... en France côté français. Oh, oui, en en France, ben, voilà. c'est une et famille là, qui arrive en France. Oui. Là, on est côté portugais, c'est le En retour fait, c'est ça. Le film m'a emmené dans mes vacances au Portugal au mois d'août. Voilà, c'est ça, c'est le côté portugais quand on revient l'été au Portugal. Et moi, je trouvais que c'était bien que ce soit cette fois-ci. Donc une nouso-descendante qui nous emmène au Portugal là-bas. Ben Salomé, dans le film, c'est ça. C'est une petite fille qui revient l'été près de sa grand-mère. Donc on, on, a, on regarde le film et on raconte l'histoire du point de vue de cette petite fille qui a une double culture. Georges-François Gonçalves nous demande des États-Unis en direct est-ce qu'il va venir aux USA le film Ah oh là là. Alors euh, on a eu la grande chance d'être candidat. De... On représentait le Portugal aux Oscars avec ce film euh, dans la catégorie film étranger. Donc il est déjà. Euh... Il était déjà aux USA, il y a, a eu quelques projections, il a été euh, voilà, auprès des, des votants de l'Académie des Oscars. Mais malheureusement, on n'est pas sorti en salle là-bas. Vous savez, c'est un cinéma d'auteur, petit film. Même s'il a une grande carrière, on, voilà, le cinéma va mal. Et c'est pour ça qu'il faut aller au cinéma. Et pas que regarder les films sur les tablettes, même si c'est très bien, mais il faut continuer à aller en salle, sinon on va plus pouvoir faire de films. Et puis ça reste magique d'aller voir un film en salle. Ah oui, moi j'adore quand il y le grand écran, le son. Euh, les pop-corn euh, et que quand on sort on peut commenter avec les amis ou la famille avec qui on a été ou même quand on y va tout seul on vit une expérience euh, on est habité après par le, par le film parce que quand on regarde à la maison c'est plus divertissant mais on peut s'arrêter pour aller euh, répondre au téléphone manger euh, des gâteaux ou faire pipi mais là non c'est dans une salle de cinéma on est complètement immergé on ne peut pas décrocher et c'est vraiment euh, voilà unique. Il y avait aussi est-ce qu'il va venir sur peau euh, Pau, euh, alors sur ma page Facebook ou Insta, il y a toutes les villes. Euh, moi, je suis un peu nul en géographie, du coup, je ne saurais même pas dire c'est quoi la grande ville à côté de Pau. Euh, la grande ville à côté de Pau, c'est Pau. Eh bah, bien, Pau, euh, <laughs> attendez, je regarde. On est dans le sud-ouest. <laughs> sud euh, dans le sud-ouest euh, euh... Pas loin des Pyrénées, pas loin du Pays basque. Ah, c'est le Béarn. Là, 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 là non. Il, y a, il y a Toulouse. Euh... Toulouse euh, Non, vers là-bas. Je... Bah, Pau, il n'y a pas encore. voilà. Mais euh, il mais, euh, y a quand même plein de grandes villes. Il y a plein de grandes villes. Je suis sûr que vous pouvez... Et moi, prendre. je rajoute quelque chose de très important parce que j'ai vu passer des gens qui mettaient les commentaires et qui m'ont dit, je vais aller le voir la semaine prochaine. Il y a une règle aujourd'hui dans le cinéma, ouais. c'est que les chiffres sont regardés toutes les semaines. Tous les, jours et tous les jours. Et que... Il est décidé si un film reste à l'affiche ou pas au ça. bout de, voire du premier jour. Oui. Du deuxième, du troisième, n'en parlons pas parce que le démarrage est très important. Le film, faut le préciser, a quand même fait une semaine en démarrage avec, tu m'as dit, 13 000, On a fait 13 000 entrées la première semaine. Ce qui est énorme mmh. vu le budget du film. Ouais. Euh, 13 000 entrées, il y a plein de films qui font des dizaines, centaines de millions qui aimeraient déjà voir ça. Le, bu le budget du film tu m'as dit tout à l'heure c'était un million un million cinq ça peut paraître beaucoup pour nous dans les Lambdas, mais en fait pour faire un film je vous jure c'est vraiment pas grand chose rien. donc on était très fiers de faire 13 000 entrées mais c'est vrai que chaque semaine on peut on, a, on peut perdre des salles s'il y a pas de spectateurs donc c'est vrai que euh, voilà celui qui écrivait la tu semaine prochaine vas-y cette vas semaine il euh, y a -y Rose aussi qui nous dit jeudi j'y vais jeudi bah ça serait bien d'y aller ce week-end. Bon, voilà, c'est bien d'y aller jeudi, mais si tu peux avancer, c'est encore mieux. Mais sinon, jeudi, c'est déjà bien. C'est très, très bien, même <laughs> si vous avez ce week-end pour vous blinder. Si vous êtes à Clermont-Ferrand, comme ça, vous pouvez ah, bah, aller Clermont. voir mon spectacle et voilà. vous allez voir le film juste après. Ou allez voir le film et Rio. vous venez me voir demain. Au Rio, à Clermont-Ferrand. Au Rio, à Clermont-Ferrand Ouais, il est en France. Voilà. Le Rio à Clermont-Ferrand. En plus, j'y suis demain, il reste encore quelques places et on est complet à la coupole. N'hésitez pas, ce sera une belle journée. En plus, on mange portugais avant mon spectacle demain. Ah, ça c'est bien. Ouais, on va manger portugais. La séance, je venir voir le film « No Rio. Et ça tombe bien parce qu'on parle de Rio dans le film. Et puis après, vous venez me retrouver. Christelle, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours Parce que là, donc là, nous a parlé du film, l'idée, il y a dix ans, et l'histoire d'Aspartillas. Euh, ton parcours avant euh, ce premier long métrage, Alma Vive. Euh, tu peux nous raconter un peu comment ça a commencé Il me semble qu'il y, y a une projection ou deux, puisque tu fais beaucoup de rencontres. Il y a ton professeur de français qui était ouais. venu voir. En fait, moi, je suis née à Montreuil dans le 93, donc en banlieue parisienne. T'es une fille du 9-3. Ouais, je suis une fille du 9-3. Et puis, j'ai grandi en Z. Non, mais en plus, c'est vrai, j'étais un peu racaille. Non, mais je parlais mal et tout. Vas-y, mais c'est pour ça qu'elle est Carallo. <laughs> elle, elle n'a pas peur. Mais attends, mais pourquoi nous, les filles, on devrait rester Mais il est où le problème Je me suis battue en cinquième avec Oumran. Euh, de, de toute façon, je <laughs> me méfie toujours des gens qui écoutent Benebi. <laughs> Bénébé, c'était la racaille totale. J'avais euh, les polos Lacoste, les Air Max et tout. Non, mais en plus, c'est vrai. Et mes parents, ils s'inquiétaient un peu pour moi parce qu'ils voyaient que je partais un petit peu en brille. Mais malgré mon côté rebelle et tout, de traîner avec les mauvais garçons du quartier et tout ça, j'étais très bonne à l'école et j'adorais l'école. Et mon prof de français m'avait fait découvrir la pièce de théâtre Antigone. Bah, Antigone, c'est une rebelle, voilà, c'est ça. C'est une fille, en fait, qui va tout faire pour bien enterrer son, son frère. Bref, j'avais adoré cette pièce. Et mon prof de français nous avait fait lire la pièce et il m'a dit, pourquoi tu fais pas du théâtre Et là, il m'a mis un petit une idée de folie dans la tête. Et là, je n'ai plus jamais lâché cette idée. Quel âge 13 ans, quatrième. Et présent, là, okay. je rentre à la maison le soir et je dis à mon père, papa veut faire des cours de théâtre. Et là, le week-end, on est parti acheter le guide du comédien à la FNAC. Oh, sérieux Ouais. Je et dedans, j'ai vu les adresses des écoles. J'ai dit, je vais aller dans cette école. C'est comme ça que j'ai choisi l'école Claude Mathieu Ah ben voilà. J'ai passé les concours comédien. pour Périmonie, ben voilà, Florent, Mathieu. Et, ben voilà. et à Mathieu, j'ai senti euh, quelque chose. Ah ouais. Et eh bien le kit du comédien, s'il y a des gens qui ont une vocation déjà... et, je et toujours Bah je Parce sais que pas... Il est... Moi je l'ai acheté dans quelques années avant ah, toi. je l'ai acheté moi, dans je... les années 90, 96. Moi ah, je l'ai acheté comme toi. Bah, moi je suis rentré à l'école. Bah, je sais pas <laughs> s'il existe encore ce kit. Bah, heureusement mais... qu'il existait, mais dedans ouais. il y avait C'était tout... le seul à l'époque, il n'y avait quasiment rien d'autre. Non, en fait dedans il y avait tout le... toutes les noms des écoles pour faire euh, du théâtre, du cinéma, euh, des arts et tout ça. Vrai et voilà. voilà. Internet. Mais et après je voulais être comédienne. Et j'ai tout fait pour. J'ai fait le lycée théâtre. Après, j'ai fait des cours de théâtre et tout ça. Et mes parents, c'est là où ils sont géniaux. C'est-à-dire, ils comprenaient pas vraiment. Euh, voilà, c'est leur parcours, c'est une génération. Ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Mon père, il a très bien réussi dans sa vie. Il et ma mère aussi, ils sont très intelligents, mais autrement que par euh, les livres, on va dire. Et, euh, et en fait, ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont toujours dit, allez, vas-y. Parce que, suis que tu travaillais bien voire. à l'école aussi. Bon, c'est vrai que parce que je travaillais bien à l'école, même si je faisais des bêtises. Ils savaient oh pas... Mais non, mais c'est ça aussi à force d'écouter Bénébi Si vous allez écouter les textes de Benebis, mais c'est normal que tu fasses des bêtises. Benebis, si tu nous entends, on t'embrasse. Parce que Benebis, c'était pas du tout le rap méchant. Je rigole bien entendu. Benebis, c'était du rap sympa. C'est le rap cool. Dans les soirées, encore, je me fais des petits trucs de rap hein De temps en temps, ça me revient. Tu sais, quand on rappelle comme ça. J'aime bien comment tu fais le DJ. Les DJ sont comme ça, avec la main, le truc. Non, elle est sur les petits boutons. On dirait que tu prends le thé. <laughs> Christelle, donc du coup, tu découvres le théâtre grâce à ce prof, Antigone. Ouais, voilà. Une des premières pièces que j'ai travaillées chez Claude Mathieu. Ouais. Une pièce, la version bah je, de Jean Anouilh. C'était Anouilh, la Anouille plus aussi. moderne, ouais. ouais. Et du coup... Euh, comment ça se passe après bah après je vais au lycée euh, donc rue du bac donc là je du faisais bac. un peu le grand écart j'habitais euh, au pied des cités euh, à Mosinor, euh, à montreuil je prenais les transports donc pendant une heure et demie pour arriver rue du bac Paris 7e donc les quartiers chics, au lycée privé Saint thomas d'Aquin. et là voilà et là j'ai échangé si mes lacoste pour des, des trucs un peu euh, babakou lipi puisque c'était les artistes. Tu te changé dans le RER ou... Bah j'ai tout vendu et puis d'un coup j'ai changé de style et quand je revenais à Montreuil, les gens me reconnaissaient plus. <laughs> c'était les gens... Béra, c'est toi Parce qu'ils m'appelaient Mera. et ils disaient oui c'est moi. Donc j'étais devenue une petite Parisienne hippie. Non mais surtout je rigole mais euh, je faisais surtout je voilà j'ai découvert le théâtre au, au lycée j'ai commencé à monter des spectacles avec mes copains au lycée et donc très vite comme ah, metteuse en scène trop... oui je jouais j'aimais jouer d'ailleurs je jouais les grosses tragédies euh, tu vois genre Clytemnestre et tout ça j'ai des ou les mouches de Sartre qui s'appelle encore Clytemnestre aujourd'hui personne <laughs> Clytemnestre <laughs> Mais j'adorais. Si, y a moi les... j'ai des copains qui y sont devenus comédiens a, à Paris, Bobo qui appellent Et leurs enfants comme ça. oh merde, t'as moujmal. Cryptemnestre, c'est dur. Bon, j'espère qu'il n'y a pas une Cryptemnestre qui nous entend. Cryptemnestre. Donc tu te diriges, déjà, il y a le goût de la direction Oui, oui, oui. Bah, en fait, tout de suite. Mais attends, ça, déjà, la direction, c'est depuis la primaire. Tu sais ce que je faisais en primaire à mon T'es une chef dans l'âme Je suis un peu une chef. Mais c'est pour ça que tu as fait. Ah, enfin, alors, je ne révèle pas le film. Ah, c'est un film quand même. Ouais, je suis un peu un capitaine, ouais. je suis une chef capitaine. Et puis le film, c'est euh, euh, les femmes qui sont au centre. Oui, c'est vrai. Mais c'est mon père qui était chef et il m'a transmis ce, ce truc-là. Et ouais, je suis un peu chef. Et en primaire, j'organisais des petits spectacles et décorés. Et je disais à mes copines pendant la récré Allez, allez, on va répéter, on va répéter. Ça, J'étais déjà, allez, on répète, on répète. Et on montrait le spectacle en fin d'année. <laughs> oui, mais là, c'est la, la pause. Ce truc. <laughs> non, je truc. Non, non, il faut répéter. Et on répétait, on faisait du rock acrobatique, des trucs comme ça. Mais j'aime bien, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est réunir des gens, convaincre des gens. Tu as un rêve, tu as une idée et tu réunis une équipe. Tu embarques les gens dans ton idée. Et là, avec Alma Viva, c'est fou. C'est les gens de mon village, des vieilles dames, des vieux messieurs, des gens de tous les âges qui sont rentrés dans ma folie de se dire on va faire un film tous ensemble en moment du Covid. C'était le Covid, donc euh, t'imagines. Et là, c'est la solidarité et, et voilà et le, le, le côté aventurier de tous ces gens qui ont accepté de me suivre. Donc, moi, je, sans doute, il fallait les motiver. Ils m'ont fait confiance. Mais c'est tellement beau. Et c'est ce que j'aime vraiment dans mon métier c'est le travail d'équipe. Euh, moi, je me souviens euh, de ta venue. On a reçu euh, Anna Martich de Cap-Magellan il y a 15 jours. Euh, on, de ta venue au gala Cap Magellan où tu avais présenté euh, l'idée du film et que tu lançais le casting. Parce que tu viens d'en parler, mais la particularité de ce film aussi, Alma vive, Alma vive dans toutes les salles, dans toute la France, en ce moment, allez-y ce week-end, c'est que bah, tu as réuni des acteurs professionnels et amateurs, voire des gens qui n'avaient jamais joué. Euh, beaucoup de gens qui n'avaient jamais joué. Ouais. Il y a les dans les acteurs professionnels, on a des, des, vraiment des pépites. Euh, vous allez retrouver Jacqueline Corrado, je suis sûr que vous, avez, <laughs> vous, le, vous savez qui est dans la cage dorée. Euh, et puis, il y a Ana Pedran, qui est une actrice très, très connue au Portugal, une très belle femme, qui la joue un contre-emploi total. Elle est la femme, la rurale, celle c'est la sœur justement qui reste au village auprès de la mère. Donc euh, voilà, elle a les ongles noirs, elle se maquille pas. Donc c'était vraiment un vrai rôle de composition pour elle. Et puis il y a Catherine Salé, une actrice belge. Je sais pas s'il y a des Belges là, mais c'est une actrice qui tourne beaucoup euh, dans le monde entier, mais qui est belge et qui est super. Elle joue l'étrangère, justement, dans le film. Et puis après, d'autres petits rôles, le berger, bref, des acteurs professionnels. Mais tous les autres, c'est des gens que j'ai rencontrés en casting sauvage. Donc euh, j'ai lancé un appel, j'ai dit qui veut faire du cinéma et on a vu des. Le cousin avec sa moto le cousin avec sa moto, c'est un mec du coin. La grand-mère de Salomé, elle vient de Macedo de Cavallerge. Celle qui euh, a fait. La méchante, Gracine. Ouais. Pour le coup, elle, elle vient de mon village. Je la connais très bien depuis que je suis Mais née. Mais elle est gentille. Bah, en fait, c'est la femme si la Si tu plus nous écoutes, voilà. Moi, j'adore. Marthe, c'est la femme la plus libre du village. Elle s'en fout complètement de ce que les gens pensent d'elle. Elle vit sa vie comme elle l'entend. Et pour moi, c'est un bonheur. Parce qu'en plus, elle est grande gueule, elle ne se laisse pas marcher dessus. Et elle est libre, voilà, elle est libre. Et, et pour une et elle est incroyable. De sa et elle est incroyable. Parce que, <laughs> encore une fois, vous allez voir, pour ceux qui l'ont déjà vu, il y a déjà pas mal de gens qui ont vu le film, qui ont adoré. Retournez-y. Emmenez des amis. Ouais, amenez d'autres personnes. Faites puis, le découvrir à vos parents. C'est un film familial. Parce que même, revenons sur les enfants, c'est vrai que la grand-mère meurt, mais le film, il est, il est porté par une petite fille. Et moi, les enfants que j'ai eus dans la salle, c'est ceux qui ont mieux compris le film. Donc, n'hésitez pas à aller avec vos enfants aussi, quoi. Et c'est aussi une façon bah, de, de parler un petit peu de la mort. La mort, il bah, ne faut pas que ce soit un tabou, ça fait partie de nos vies. Et dans le film, elle n'est pas forcément triste. Il hein. y, y a beaucoup de vitalité, de vie, de, de drôlerie. Donc, n'hésitez pas aussi à aller avec vos enfants, vos ados. Alors, j'ai eu des prix jeunes dans plein de festivals. Les jeunes adorent le film, les lycéens, les collégiens. Euh, voilà, parce que pour plein de raisons, parce qu'on a tous une grand-mère, on aime tous une grand-mère. Et puis, vous verrez, il y, y a aussi du twerk dans le film. Euh, dans le film, justement, <laughs> si on va le voir aujourd'hui, c'est une des questions qui est, qui, est, qui est venue. Le film est en français ou en portugais Alors, les le personnages parlent beaucoup portugais. Il y a un peu quelques scènes en français. Bah, c'est la petite Salomé, quand elle parle avec sa mère, elle parle en français. Mais sinon, c'est Salomé la petite, la, petite. la petite qui vit en France. Voilà. Elle est en vacances au Comme Portugal. Comme les immigrants, en fait, on mélange le portugais et le français. Bah, c'est pareil dans le film. Euh, et toutes les parties en portugais sont sous-titrées. Donc tout le monde peut y aller aussi bien les, les enfants nos descendants. Qui voilà, ça. voilà, donc à partir bah voilà de quelques ans, années, euh, 8 dix bon, ouais. ans quoi. On a, on a plein de questions, j'essaie d'aller voir au fur et à mesure. Euh, Strasbourg, est-ce qu'il va être à Strasbourg, est-ce qu'il est à Strasbourg bah oui Strasbourg bien sûr, il est déjà à Strasbourg depuis, euh, depuis deux semaines au Star au cinéma Star. Le cinéma Star. Donc, n'hésitez pas, toutes les informations sont sur la page de Christelle. Après, je vais l'identifier. Vous allez recevoir toutes les informations. Mais surtout, vous pouvez aller simplement sur Allociné, vous tapez Almaviva, et là, vous voyez toutes les salles. Donc, vous, selon où vous habitez, Allociné, déjà, vous verrez les critiques, vous verrez la bande-annonce qui va vous donner euh, envie, et vous verrez les salles euh, à côté de chez vous. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, encore l'histoire du film. Du coup, euh, comment ça s'est passé pour convaincre justement les gens du village Parce que du coup, moi, tu as fait passer régulièrement quelques photos du tournage. Où on voit quasiment mais toute la place. c'est En fait, le... Un plateau de cinéma, pour les gens qui n'ont pas vu, ça se passe comment On voit à l'image les deux personnes qu'on filme, mais autour, c'est un bordel total. <laughs> oui il y a ça. 20, 30, 40 personnes, des camions, des grands panneaux blancs qui réfléchissent de la lumière, des toiles, des fonds, des, cam des caméras. Euh, les gens qui tiennent la caméra, il en faut un, deux, voire trois parfois. Des gens qui bloquent les rues. Euh, y y a, en fait, ce n'est en fait, pas compliqué. Un jour de tournage, c'est 100 personnes minimum. Comment tu as convaincu voilà. les gens du village de tourner, leur dire, écoutez les gars, combien de temps a duré le tournage On va falloir quasiment bloquer le village, ouais, on Moi, on a... tu à vivre, mais le bloquer. Euh, ça s'est passé comment À qui t'en en as parlé bon, Déjà, mon village, c'est tout petit, hein, je te dis. On, on, ouais. on dit de mon village que c'est au fin du monde, c'est-à-dire la fin du monde, parce que c'est le dernier le dernier dans la route, sur la route, c'est Jonkeil et après, c'est les montagnes. Et c'est un village au -delà, à l'année, au-delà, il y a, de, au -delà, de y a plus de route, c'est les montagnes. C'est un village où il y a environ euh, 30 personnes à l'année. Donc, c'est tout petit. Bon, après l'été, je vous laisse pas euh, imaginer, je, on est très nombreux. Mais donc, déjà, c'était facile de faire passer le mot, quoi. 30 personnes, euh, et puis tout le monde me connaît. Moi, j'y vais aussi pour faire la zeite l'hiver. Euh, ah, suis... tu vas faire la récolte ouais, de la zeite Ouais, voilà, j'adore, j'adore. Une vraie. Je suis une vraie, j'adore la terre. Et Moi, j'en profite pour dire bien. à Julien que je vais aller faire les vendanges en septembre, octobre prochain. <laughs> voilà. Donc, c'était facile de dire, on va faire le film. Et surtout, j'avais déjà fait des courts-métrages, donc il savait déjà un petit peu ce que c'était. Et en fait, si tu veux, ils étaient tellement contents qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on sortait du Covid, on a tourné en fait en mai 2021. Donc tout le monde était resté enfermé. Là, ça ramène un pou... Enfin, ça ramène une richesse économique aussi. Parce aussi. que tous ces gens qui participent, bien sûr, sont payés. Enfin, le film, on ne va pas faire que des bénévoles. Donc, euh, donc les gens qui ont prêté leur maison, leur voiture, euh, qui, ont, qui sont rentrés en figurant, ils ont gagné un petit peu d'argent. Donc déjà, ça génère aussi euh, bah, voilà, une, une activité économique. Mais il fallait que tout le monde, donc euh, entre les voitures, faire à manger pour l'équipe, prêter les maisons. Donc il faut une maison où tu mets les costumes, une maison où tu mets le maquillage, une maison où c'est le décor de la grand-mère. Enfin, tout devient un décor de cinéma. Et il y a tous ces gens de Lisbonne qui viennent, qui sont restés donc plus de deux mois parce que tu tournes deux mois, mais tu as toute la prépa avant. Donc pendant quasiment six mois... Le village était devenu ultra cosmopolite parce que tu avais ceux qui arrivaient de Lisbonne, ceux qui arrivaient de Belgique, ceux qui arrivaient de France. Donc voilà, c'était très animé. Et ça va faire connaître encore plus cette région. Ah ben c'est sûr. En plus, je, petite anecdote. Dans le film. Une de plus. Dans le film, il y a un Saint-Georges. Saint-Georges que prit la, la mère et la petite fille. Et en fait, on a créé, on a construit une capelle de Saint-Georges dans les montagnes qui n'existaient pas. Ah, elle n'existait pas Non Oh, C'est pour le raconté. film Parce Et que en moi, fait... ce truc, je, je, je l'ai reconnu aussi, on à l'entrée du village. Ah vous en avez un comme ça est super. Non, je Et au Santamaro. Nous, il ne se passe pas un, un voyage au Portugal à l'époque, quand je faisais avec mes parents, que quand on arrive, on va pas directement au village. La première chose, on venait de faire 2000 bornes, on s'arrête à la Capellina du Santamaro. Mon père descendait, quelle que soit l'heure, le moment, la nuit, des fois on arrivait le matin, on s'arrête, mon père descend, va prier et met le petit billet ben oui. pour qu'il vous protège pour vos vacances et pour le voyage que vous avez bien fait. Et ah, ben voilà, donc nous on a construit ce, ce, cette capelle dans les montagnes avec Saint georges et en fait ce qui est trop beau, donc c'était le décor du cinéma pour le film. Et maintenant aujourd'hui, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Le prêtre, voilà, le prêtre est venu le bénir Benzel à la ah, fin du film. Et maintenant, les femmes, elles viennent mettre des, 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 des bougies, des fleurs et tout. Et c'est devenu un lieu. Donc, quand tu dis euh, le, la région va être développée, c'est il y a même ce lieu, tu vois, qui, qui est devenu un nouveau lieu, euh, nouveau lieu de culte. L'été prochain, on va, on va lancer un, un défi. Un Allez, se faire photographier. <laughs> bon, <laughs> Avec votre Walkman, pour ceux qui en ont encore, c'est hein, jamais. Moi, j'en ai. Moi, je l'ai gardé mon Walkman. Tu l'as le Ah non, j'aurais adoré mon. Moi, à mes je l'ai gardé. Je l'ai toujours. Dommage. Et euh, ben bah, voilà, faites des photos. Vous pourrez les poster sur la page de Christelle. Et mais du coup, moi, c'est clair, la prochaine fois que je retourne en vacances là-bas, euh, moi, je vais y passer. Ben bah, voilà, tu peux aller à Jonquet. Donc, ce village. Au café Staberto il euh, n'y a même pas un café, on n'a que la casa do povo. Mais non, mais c'est ah, vraiment même pas hein. la au casa do povo. Vous ouvert Bah, ouverte que l'été. Et l'année, il faut savoir qui a les clés. Donc si tu viens, tu demandes <laughs> Fatima, elle a les clés et elle t'ouvre. <laughs> pour tous nos amis français qui n'ont jamais été au Portugal dans un petit village comme ça ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, 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 que ça que pour, que ça, que pour que ça. aller boire un verre avec quelqu'un faut demander les clés à Fatima mais c'est exactement <laughs> comme ça et voilà. donc voilà euh, ça fait tout plein de bonnes raisons pour aller voir ce film moi j'ai l'impression euh, moi donc je l'ai déjà vu je vais essayer d'y retourner même si oui, les prochaines il a de la famille à Vimyose ah, Philippe Philippe Stark il a de la famille à et ben bah, il faut vraiment que tu ailles voir le film parce que je vais peut-être même reconnaître pas à Bordeaux, des par gens hasard. Ah, Rendez-vous à Talence en juin. Bon, ben merci d'être venu. Je ben regarde l'heure qu'il est, hein, Il est, est 42. Il est déjà 13h42. C est oh, pas on si va vite. déborder encore un peu. Euh, donc, on a vu il y a des gens de Belgique, de Suisse. Euh, toutes les informations. Le film va sortir aussi au fur et à mesure dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans d'autres pays, les Pays-Bas. Ah oui, alors, je vais être en Suisse d'ailleurs, s'il y a des Suisses. En le 1er Suisse. mai, je suis au cinéma Guilty à Genève et le 2 mai à Lausanne au City Club, et après le film reste dans les salles en Suisse à partir du 5 mai. Et les Belges, bah, je redis, je serai lundi 24 au Palace à Bruxelles, et puis le film sort en Belgique dès le 25 avril, et d'ailleurs aux Pays-Bas aussi, il, est, il va être partout, je crois qu'il y a déjà des très bonnes critiques aux Pays-Bas à partir du 25 avril. Philippe Stark, il avait justement le film mardi dernier. Ah, trop bien, j'espère que tu as aimé. Oui, sinon il ne serait pas là, <laughs> évidemment. Bretagne, oui, Bretagne, il y en aura y Ah y aura, oui, y en y Bretagne, aura. on y est déjà, à Bretagne depuis un moment, il faut aller... Euh... On est où en Bretagne euh... Bah attends, la Bretagne. Non, tu vois, tu vois, toi, une ville. Elle n'a pas ses lunettes, c'est pour ça. Oh là là. Bon, oh là regardez là là là. sur Allociné, mais en Bretagne, c'est sûr qu'on est... Bretagne. Morlaix. Morlaix. Euh... Rennes. Rennes. À, à l'Arvor. La... À Quimper, au 14A. Ça aussi, c'est la Bretagne. Euh... Saint-Julien. Ça, je sais pas je où c'est, mais il faut le dire. Bon, regardez sur Disney. <laughs> Oh, c'est Charles, on oh, la c'est Charles à côté de Lisbonne. J'en profite pour faire un petit coucou à tous les sympathisants du Benfica de Lisbonne qui se sont fait éliminer comme moi cette semaine. Est-ce que tu aimes le foot Ouais, moi je suis pourtiste. Vive en Benfica non, Je suis, suis Sporting, je suis Benfica. Allez voir mon film, non <laughs> Non, t'inquiète. Moi j'ai dit que j'étais du Benfica, j'ai perdu que 1000 abonnés la semaine dernière. Ah, c'est pour ça, c'est pas vrai, perdu, <laughs> ah, je, Mais attends, mais le... c'était il y a 15 jours, le premier match, non, c'était la qualification contre bruit j'ai mis mon maillot j'ai fait une photo et le lendemain j'ai eu 400 commentaires j'ai eu 400 <laughs> commentaires dont une dame très sérieuse j'étais regardé qui c'était euh, 60 ans qui m'a dit mon cher José j'aime beaucoup ce que vous faites mais je me permets de vous faire une petite réflexion d'ordre de communication et d'image personnelle vous ne devriez pas mettre un maillot de votre club je pense c'est pas vrai je vous jure je suis les trois clubs moi je suis vraiment pacifiste j'aime tout le monde <laughs> il y a Louis qui dit qu'il est du Sporting le Sporting a perdu contre la Juventus éliminé ça y en a plus personne qui joue au foot le foot c'est important aussi pour toi depuis ton enfance Ouais, moi, mon premier amoureux, il était… il jouait au foot. Bon. Big up, big up, tu sais si tu te reconnais, si tu m'entends Il avait un nom très portugais d'ailleurs. Il avait un Walkman, il écoutait Bénébi Euh non, on écoutait on Qui gagne Qui et on, on roulait en Golf GTI. Ah putain, moi j'avais une super 5 gt Sport. Bah grave, attends. Bam, 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 les Portugais Moi bah, j'étais pas dans le 93 mais j'étais dans le 78. Respect représente pour 6 Saint-Germain-en-Laye à Cher. J'allais danser à la Costa do Sol. Mais moi aussi. Mais les jeunes, ils vont pas comprendre nos références. On est vraiment des jeunes. C'était le bonheur. Vous pouvez pas comprendre, mais c'était le bonheur. On Éc est désolé de faire des références. Écoutez une cassette deux fois de suite, quatre fois de suite. Pourquoi aller surfer Pourquoi aller scroller Non, on scrollait, ça faisait ça. Tic, 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 tic. Par contre, j'espère que tu danses le pim. Bah, moi, j'adore aller au bal au Portugal. J'ai écrasé quelques pieds. Attends, euh, dans, dans mon film, il y, a, on, il y a une scène de balle et il danse, euh, il chante. Oh, je sais plus, c'est la J'écrase quelques pieds encore de temps en temps. Ah, tu les pieds, mais c'est trop bien le film. <laughs> Moi, c'est mes cousines du Portugal qui m'ont appris. Bah oui. Non, mais ça et après, elles m'ont dit « Bonjour, et il y a à boire là-bas. » Voilà. Euh, Christelle, euh, la dernière partie, tu dois aussi faire gagner un cadeau aux gens qui ont joué. Cette ouais. semaine, il y avait une question, comme tous les mardis. Euh, la question, c'était en vidéo cette semaine, euh, quel est le nom de ce personnage célèbre qui a participé à la révolution des œillets du 25 avril 1974 dont je porte les t-shirts de la marque Frantuguet, que vous pouvez retrouver sur frantuguet.net. J'ai eu des questions sur les t-shirts, parce qu'on peut le trouver. Ben voilà, il est sur frantuguet.net. Euh, le 25 avril, c'est mardi prochain. Euh, c'est un moment très important pour tous les Portugais. Et donc, le nom de ce personnage avait donné un indice, c'était, il était un capitaine. C'est euh, Salgueiro Maia, euh, le capitaine qui a participé à la Révolution des œillets. Un très beau film aussi qui a été réalisé, euh, Les Capitaines d'avril. Oui. Très très beau film. Moi ouais. je crois que c'est Capitaine d'avril, c'est le premier film sur le Portugal que j'ai vu en France. Avant même Manuel d'Oliveira. Ah oui, ouais. c'est le tout premier film que j'étais voir dans une salle. Je, suis... je suis venu à Paris exprès le voir. Euh, et c'est le premier film qui... qui traitait du Portugal que j'ai vu en France. Donc, c'était le personnage salguer Maia qu'il fallait trouver. Il fallait liker la publication, identifier deux personnes. Il y a plein de gens qui ont joué, mais vous n'avez pas forcément identifié les deux personnes ou pas liké. Ah, il faut remplir toutes les conditions. Alors, qui a gagné Donc, on a Attention. fait avec Christelle tout à l'heure. Elle a écrit les noms. Oh, Et moi, je disais, qui a gagné Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Je Cette mélange. semaine, ce n'est plus un tote bag, mais c'est un sac ou sac ou savoir je vacances vacances que vous pouvez gagner. vacances Et moi, j'en tire qu'un Oui. Ok, attention. <laughs> c'est quoi ça C'est un tambour <laughs> Je suis réalisatrice et bruiteuse. C'est-à-dire c'est un film à petit budget. On avait un million et demi, j'ai dû tout faire. Je faisais même, même les bruites. Tu peux refaire. <laughs> attention, il y a là. Mais je crois <laughs> que tu... <laughs> tu peux refaire <laughs> C'est -ce bizarre, pourtant, à hein, Vienne, il y a beaucoup, de... du côté de mon père, il y a beaucoup, je bombe, je vienne, je pêche des de d'agonie, et de je de je de reconnais. Alors, qu'est-ce que je fais J'ouvre Tu ouvres. Attention. J'étais sûr, J'ai rien dit. Oh, oh. c'est intéressant, regardez. Oxygène. Oxy ah, non, on voit pas. On montre pas sur bien. les deux, on s'approche. Oxy... Gêne. oxygène à gagné. le sac euh, voilà, c'est la a tradition a... sur le front sont euh, vacances. tu me disais tout à l'heure et tu nous as reparlé toi tu vas faire les, les récoltes pour l'huile d'olive c'est encore très présent le Portugal pour toi ah oui 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 et puis je fais un effort pour parler à mes enfants j'ai deux enfants 10 et 4 ans et le papa il est français voilà classique euh, beaucoup de métissage maintenant et bah je fais tout pour leur parler portugais je vais souvent au Portugal ma soeur elle vit au Portugal euh, depuis dix ans, enfin voilà, elle est repartie elle. Donc euh, j'y vais plein de fois. J'adore. Et j'aimerais bien vivre un jour là-bas peut-être. Ah, et tu veux vrai où alors Dans le Nord traditionnel Ou oh. Moi j'ai craqué pour Lisbonne. Ouais, je pense que j'irai plutôt aussi vers Lisbonne. Ouais, J'aime beaucoup Lisbonne. C'est tellement agréable. Les gens. L'oxygène est pas mal. Ouais. Oh, le jeu de mots, l'humour par rapport aux gagnants, <laughs> le mec présence d'esprit, réactivité, action. Réaction. Euh, J'en profite pour vous donner aussi toutes mes dates. Euh, pour demain, euh, moi, je serai donc à Clermont-Ferrand. Attends, demain, je suis à Clermont-Ferrand. Ouais, bravo. Ouais, justement, Clermont-Ferrand. Attends, j'ai suis en train d'oublier. Demain, je suis à Clermont-Ferrand. Donc, euh, vous pouvez venir voir, comme on a dit, le film et peut-être venir me voir après. Manger portugais avec moi à 8h15. On fait le spectacle à 21h. On dit plein de conneries On rigole et derrière, il y a de la Superbok. Mmh, ça c'est la meilleure ou la, oh, du... la sage aussi il euh, y a les deux faut pas faire c'est quoi toi c'est comme les équipes de foot il ne faut pas dire parce que ceux qui aiment la sage après ne veulent plus venir <rire> <rire> il y aura aussi du sous-bol pour tous ceux comme moi qui préfèrent ah, le ça, sucré <laughs> Et Il euh, y a aussi euh, des dates qui se sont rajoutées. Euh, vous retrouvez toutes les dates. Euh, Toulouse, Talence, ça se remplit vite, donc n'hésitez pas à réserver. Il y a aussi donc euh, Dijon, Dijon, Audarcy, Comédie. Euh, voilà toutes les dates. Euh, C'est super cool de vous y retrouver. Euh, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder le franc Mag. Euh, vous pouvez encore maintenant le partager euh, sur votre page, identifier euh, le film Almaviv, qui a aussi sa page. On a parlé de la page de Christelle, mais il y a aussi le film Almaviv. Vous pouvez aussi identifier donc les deux, Christelle et le film. Euh, partagez sur Facebook, euh, sur Instagram. Euh, chaque entrée va compter aussi pour que le film ait... Une belle vie, la belle vie qu'il mérite pour euh, bah, parler non seulement du Portugal, mais euh, d'une région, de partie du Portugal qu'on ne voit pas ré, beaucoup, même pas à la télé portugaise aussi. Ah non, ça, et sûr. pas beaucoup dans le cinéma, c'est surtout des films qui se passent dans les grandes villes. Là bah, voilà, on a l'occasion de voir une histoire qui se passe euh, bah, dans le Portugal. Euh, rural. Rural, populaire, ordinaire, simple. Populaire et de l'immigration. Ouais. Donc allez-y. Partagez aussi toutes les infos, faites des photos, des stories euh, en direct du cinéma, devant l'affiche, vous identifiez à chaque fois. C'est comme ça que les algorithmes aussi des réseaux sociaux vont le faire connaître, vont le propager. N'hésitez pas à envoyer aussi des petits mots à Christelle, à toute l'équipe, ah oui. euh, bah, pour donner vos impressions. Euh, ça fera certainement plaisir, hein, j'en suis persuadé. Là, je vois qu'il y a un webras de Lausanne. Venez me voir, Manuel et Lausanne, le, 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 le 2 mai au mm -hmm. City Club. Ben bah oui, voilà. Euh, <laughs> et puis, bah moi, je vous dis donc à tout bientôt. Rendez-vous avec le Frantugamag. La chronique de JC d'hier, un grand merci. Vous êtes déjà plus de 15 000 à l'avoir vu. Et du coup, j'ai l'impression, d'après ce qu'on m'a dit, que la vidéo d'hier va avoir une petite carrière du côté de, des institutions portugaises. Ah. On croise les doigts. Euh, donc, rendez-vous mardi prochain pour la prochaine photo concours. Jeudi prochain, normalement. Pour la chronique de JC, à moins que dans la nuit euh, mon bébé arrive, <laughs> voilà, il y aura peut-être aussi pas de Mag. Tout va dépendre de quand est-ce que le bébé arrivé. Il arrive ou la semaine prochaine ou la semaine juste après ou peut-être le week-end. Oh là là, ça c'est un grand moment de vie là. Hein. Voilà, donc en fonction de ça, il bah, y aura ou pas de vidéo et de Mag, puisque je serai peut-être euh, pas là, pas disponible, voilà. Je ferai peut-être une pause de une semaine quinze jours, on verra. Et en tout cas, bah, je l'annoncerai. Euh, prenez soin de vous. Muito obrigado d'être de plus en plus nombreux. Partagez l'émission. Et je laisse, comme c'est maintenant la coutume, euh, le mot de la fin à l'invité. Euh, mais avant, muito obrigado. Euh, merci d'avoir montré aussi bien et avec autant de tendresse et d'amour euh, la région de Trashmont. J'adore le Algarve, maman. <laughs> mais, mais la région de mon enfance où j'ai passé tous mes mois d'août et où, où je me suis écorché les genoux à jouer au foot sur les pavés de la place, où j'ai fait les messes, où j'ai vu le café, où j'ai entendu les gens se disputer, se réconcilier, euh, où j'allais à la chasse aux oiseaux avec les petits pièges, mmh. où j'allais cueillir des. Bref, où j'ai plein de souvenirs et qui m'a fait revivre tout ça le temps d'une heure trente. Regarde Christelle. Bah, merci beaucoup José, merci à tous là pour vos commentaires. Je vois qu'il y en a qui ont vu le film et qui font des voilà beaucoup de de, de bravo. Il y en a qui ont ri, pleuré. Ça me fait vraiment plaisir. Ce film je l'ai fait avec tout mon cœur, euh, avec tout l'amour que j'ai pour euh, ce pays et je suis très très fière voilà de d'être euh, d'être portugaise en plus d'être française. Et, et ce film c'était vraiment pour pour qu'on n'oublie pas justement nos terres, nos traditions. Euh, voilà Des choses qui, qui parfois sont un petit peu en train de se perdre. C'est aussi pour nos enfants, pour ton enfant à venir qui pourra voir Alma Viva et se rappeler de certaines choses qui voilà, qui sont en train de changer. Et euh, bah, j'espère vraiment que je compte sur vous. On a, on a peu de films portugais en salle. C'est l'occasion voilà, de, de nous mettre en avant. Donc je compte sur vous. Votre présence elle, est indispensable. Et n'hésitez pas à rester en contact avec moi vraiment sur les réseaux. Je suis là. Je vous réponds. Et, euh, et voilà. Je, je, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et force Portugal <laughs>